بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيوة donc aujourd'hui j'ai décidé de parler sur un sujet qui sera très important pour nos frères inshallah, c'est-à-dire numéro IMI. Et qu'est-ce que ça veut dire que numéro IMI? International Mobile Identification. International Mobile Identification. C'est-à-dire que avec votre numéro IMI, vous pourrez faire beaucoup de choses. Vous pourrez faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, si votre, en cas où votre téléphone est volé, vous pouvez bloquer le téléphone ou localiser le téléphone. Ou si vous allez accepter des téléphones de seconde main, et que vous ne savez pas si le téléphone a été volé ou le téléphone a été bloqué, si vous utilisez IMI, vous pouvez savoir si le téléphone a été bloqué ou a été volé. Donc pour ce faire, on va aller d'abord le téléphone. Donc si vous battez téléphone, maintenant vous composez étoile 10 0 6 10. Ça va vous montrer ce numéro. Donc le numéro que vous voyez ici, comme j'ai des SIM, c'est pourquoi c'est comme ça. Vous pouvez copier ce numéro-là, écrire ce numéro-là sur une feuille. Maintenant, on sort ici et vous partez sur Google Chrome. Vous partez sur Google Chrome et vous venez ici, vous écrivez IMI check. Voici ça ici. Voici ça ici. IMI check. Ok. Si vous écrivez IMI check, vous touchez là-bas. Ok. Maintenant, ça vous amène ici. Votre téléphone, c'est Samsung, c'est tant, tant, tant. Ok. Et si votre téléphone est Samsung, dès que vous cliquez ici, alors, ou quelle marque, il va vous montrer le marque que vous avez déjà. Oui, il te montre le marque de ton téléphone que tu as déjà. Ok, donc maintenant, on fait ici le premier vérification IMI. Donc, vous allez cliquer ici. Donc, maintenant, vous allez mettre le code qu'on venait de voir là, ici. Alors, pour moi, on va mettre alors 352. 352. Ok, 352 8 1 3 8. Ok, 8 1 3 8. Ok, 9 4 5 6. 9 4 5 6. Ok, 3, 5, 2, 7. 3, 5, 2, 7. Ok, dès que vous faites comme ça, vous faites vérifier. Voilà. Maintenant, il va vous montrer cela. Et il va vous montrer ça. Et ça, c'est, voici le marque de téléphone, Samsung Galaxy A53 5Z. C'est ce que vous voyez, c'est IMI là comme ça. Donc maintenant, vous partez ici, vous aurez toute l'information de votre téléphone. Vous voyez, voilà ça. C'est l'information de téléphone. Mais le plus important, c'est ici. Le plus important, c'est celui-là. Le plus important, c'est celui donc qui est écrit Samsung Unlock. Samsung Unlock. C'est-à-dire qu'il n'est pas fermé. C'est en anglais Unlock. Ce n'est pas fermé. Mais si c'est fermé, vous allez voir que c'est écrit Lock. Lock. Si c'est écrit Lock, là, vous direz que ça veut dire que le téléphone est fermé. Donc, si c'est le téléphone de seconde main, que vous êtes en train d'accepter et que vous contrôlez, vous voyez c'est écrit lock,
Non, ce n'était pas parce que le téléphone a été volé quelque part et ils ont signalé à la police et la police a dit bloquer. Et maintenant, ils essaient maintenant d'identifier à qui est en train d'utiliser cet appareil. Donc, c'est très important, mes frères. Ne négligez pas ces vidéos car parmi nous, on n'est pas, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'argent à acheter des téléphones neufs. Donc, souvent, on est obligé d'acheter des téléphones de seconde main. Et sans savoir si le seconde main qu'on achète là, ça a été volé, ça a été signalé à la police ou ça n'a pas été fait. Donc, c'est plus important, mes frères, et ne négligez pas cela. Et partagez cette vidéo maximum avec, pour que ça arrive à beaucoup de nos frères. Aussi, faites abonnez-vous sur le canal Dawat Ilallah, des likes et des commentaires, cela me ferait beaucoup plaisir. Merci, au revoir.